de chevaux. Où est la patrouille ? Allez, viens. Par ici. Je te suis. Est-ce qu'il te manque ? Jessie ? Non. Vous étiez ensemble depuis longtemps. Écoute, Jessie est géniale. J'adore ses parents. Ils seront toujours ma famille. Mais on était en pilote automatique. Pilote automatique ? Comment ça se fait qu'on n'en ait jamais parlé avant ? Je sais pas. J'avais pas... Toi, tu m'as jamais vraiment parlé de Kat. Ouais. Parce que... y a pas grand-chose à dire. Aïe. J'avais l'impression que tu l'aimais pas vraiment. Pour tout dire, je m'en fiche totalement. Ok. Mais elle est douée comme artiste. En fait, je commence à aimer ton tatouage. Comme c'est gentil. Mais je pense qu'elle était pas faite pour toi. Intéressant. Et toi ? Ok. Tu peux attacher Payet ici. Hé. Hey. Tu veux voir un truc hallucinant ? Tu vas te montrer du doigt, c'est ça ? Non, hallucinant, c'est pas le mot. D'accord. Allez, la débile. Je pense que sur les coups de 19h, je m'arrêterai pour le live. Après, ce soir, je sais pas si je referai un. Je referai sûrement un petit live jusqu'à 21h, 21h30. Et ensuite, je reprendrai demain dans l'après-midi. Qu'est-ce que tu dis de cette vue, hein ? C'est plutôt sympa. Ouais, elle est cool cette route. Où il est le registre ? Viens. Merde. Et elle est partie par où ? Elle est retournée dedans ? Elle est retournée dedans. Tu faisais cette patrouille avec qui avant ? Jessie ? Eugène. Oh, ouais. Eugène. Il était trop drôle. Oh ouais. En plus, il m'a appris à recâbler des circuits et d'autres trucs dans le genre. J'espère qu'on arrivera à 73 ans. Signe le registre. C'était quoi cet endroit ? C'était une tour radio avant. Sympa le système de fouille. Elle me disait de signer le registre. Il est où son putain de registre ? Aucun signe d'infecté. Ah, il est là. Ou de personne d'autre, d'ailleurs. Lire. Je vois une tempête, à quelques kilomètres. Ok.
Et voilà. Ah, quelle rapidité. Viens voir. Qu'est-ce qui se passe? La dernière étape, c'est cette ville. Regarde. Voilà la ville. Avec l'espèce de grande tour. Ouais, c'est là qu'est le prochain poste de guet. Viens, on retourne aux chevaux. Question. Tu portais pas déjà les mêmes fringues hier? Elles sont propres. Je juge pas. C'est une patrouille. On est là pour buter des infectés, pas pour un défilé. C'est quand même canon. Merci. On devrait mourir comme Eugène. Quoi, d'un AVC? Non, de vieillesse, après avoir bien vécu. Toi? Jamais de la vie. Excusez-moi si je parle pas beaucoup, hein, mais je profite pleinement des dialogues. Bah, tu mourras sans doute d'hypothermie à force de marcher avec des baskets en toile dans la neige. Hé, hey, je porte des bottes, là. C'est comment tu vas mourir? Bon, laisse-moi deviner. Tu vas me tuer? Peut-être bien. Ta blague? Non! Peut-être. Ta gueule. Oh là, carrément. Le joli petit ta gueule qui arrive comme ça. J'ai du mal avec le cheval. Tu crois qu'on devrait fouiller ces maisons? Ça a l'air mort, mais on peut si tu veux. Je parie qu'il y a des trucs à trouver. Qu'est-ce que tu sais sur cet endroit? C'est juste un autre quartier qui a été évacué. Les infectés arrivent quasiment jamais jusqu'ici. D'habitude, on l'échappe sur le périmètre extérieur. Tu fais quoi ce soir? Je pensais faire une soirée film avec Joël. Oh. Et ça va, vous deux? Ouais. Vous allez regarder quoi comme film? Il aime quoi, Joël? Curtis et Viper 2. Ça fait un moment que je veux le regarder, celui-là. Alors, les stimulants vous permettent d'apprendre de nouvelles compétences. Appuyez sur... Ok, on est dans le même principe que dans le premier, donc on a encore une fois les stimulants qui vont nous aider à améliorer notre héroïne. Vu que la première fois, c'est Joël qu'on doit améliorer, et ben là, c'est Ellie qu'on devra améliorer avec les compétences. Regarde-moi ça. Quoi. C'est pas une des cartes de super-héros que tu collectionnes? Oh, je l'ai pas, celle-là. Nice. Identifiant inconnu. Intelligent. Okay. Ah, c'est laissé. Au lieu de ranger, ils ont mis laissé. C'est ça que je comprenais pas. Je me dis, tiens, je voulais ranger, mais il marque laissé. On se regardait souvent des films d'action des années 80. Il est complètement fan. Donc il y aura des petits collectibles de ce genre-là, ramasser des cartes par-ci par-là. C'est plutôt pas mal en fait. Autant ouvrir l'œil, j'ai envie de dire, mais bon. C'est pas le truc qui m'intéresse généralement et dans les toi, jeux, les collectibles. Tu fais quoi après ça? Avec les autres, on parlait de faire le mur. Pour faire de la luge. Ça a l'air marrant. J'aimerais bien visiter la maison ici à gauche. Ouais, peut-être pas au couteau, hein.
va regarder s'il n'y a pas une entrée quelque part pour celle-ci, mais je pense pas. C'est bon, calme-toi. J'ai juste appuyé une fois. Y a pas un petit passage quelque... Ah, si, là. Allez, hop. Non, arrête. Oh, genre. Je pensais qu'il y aurait eu un petit passage ou un truc comme ça. Ah, sauf, elle est peut-être pas visitable. Hein. Ici, qu'est-ce que... Ok. Ça parle de quoi, Curtis et Viper 2? Ouais. C'est deux anciens commandos qui abandonnent tout pour combattre des méchants. Et je crois que dans celui-là, ils affrontent des espions russes. Ah, c'est beaucoup plus intéressant que ce que je pensais. Oh, attendez, ici, il y a une clôture. Bordel. Il fait encore plus froid. Les paysages, franchement, sont super bien réalisés. Hein. Il y a vraiment de beaux paysages. Attends, je viens de dire qu'il faut que je saute par-dessus ça. Oula. Doucement. Ça craint. Désinfectés qui ont fait ça. Tu crois qu'il en faut combien pour buter un élan? Pas qu'un seul. Ils sont où, putain? Allons les trouver. R1. Ah, nice. Il y en a à l'intérieur. Comment ils ont fait pour entrer? Par ici. Et surtout, comment on fait pour entrer? Dina, par ici. Coureur. Oh, joli! Dis donc, elle plaisante pas, elle. Il est mort. On semble avec. Et deux. Tu l'as carrément égorgé, mais tout va bien. On va essayer de faire le tour pour rentrer par l'arrière du supermarché. Bonne idée. Non, 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 non. Papa, papa. Ouais, non, pas par ici. Est-ce qu'on peut tenter ici? Ouais, c'était bien sûr. Faut une clé. Ça va faire un bruit. Allez, franchement, les corps à corps, je le préfère bien mieux dans celui-ci que dans le premier. Ouais. On est vraiment un peu plus libre dans le gameplay corps à corps. Merci. La porte par où on est entré était bloquée. Comment il a fait pour rentrer le coureur? Ouais, c'est une bonne question, ça. On va vite le découvrir, quoi. Ah tiens. C'est quoi ton record d'infectés tués pendant une patrouille? Ça doit être celle que j'ai faite avec Joël il y a environ un an. Il y en avait peut-être une douzaine. Et toi? J'en ai buté à peu près 20 une fois. Il y avait un groupe de passage. Putain. Ta merde, il est passé par où ce con? Peut-être qu'on va battre ton record aujourd'hui. Et où? Tu serais rentré par où, mon gars? Ah, par ici. Dina, par ici. Oh putain. Le coureur. Fais la de bruit. Je pense que ça donne. Nice. Ce petit côté infiltration comme ça, je pense qu'il va vraiment me plaire. Après, il faut voir si les zombies réagissent à la lumière. Enfin, les infectés. Oh, un petit pavé. Derrière
Alors par contre, ça je m'y attendais pas du tout. Putain, ils ont bien retransmis le recul de l'arme. Oh nice. Je me suis laissé reprendre, surprendre pardon, par le recul de l'arme. Putain, ils ont bien géré dans la retransmission. Je crois que c'est bon. Faut encore qu'on s'occupe de ceux dans le supermarché. On va faire le tour. Il doit bien y avoir un moyen d'entrer. Ah putain, j'adore quand ils te demandent de fouiller mais que c'est vide. Et encore. Oh, va chier. Y avait pas une bouteille quelque part, si. Non. Impeccable. Alors, pardon. Pour le supermarché, c'est par ici. Courte échelle. Allez. Ellie, aide-moi à monter. Je vais jeter un coup d'œil. Ok, vas-y. Il y a un trou dans le toit, là-bas. Là. L'animation est pas géniale. Merci. Bizarre. Là, tu vois. Bon, on n'a plus qu'à trouver comment y aller. Ah, là-bas, ok, j'avais pas vu. Ok, ok. On va ramper. Là-dessous. Le putain, mais non. Allez. Lâche-moi. Ellie, est-ce que ça va? Ouais. Juste un peu secoué. Attends, est-ce que Ellie elle... Et merci à toi, monsieur Fox TV 93. Merci à toi pour le follow et bienvenue. J'espère que tu vas bien. Ouais, donc Ellie aussi peut se mettre à ramper sur le dos. Ça, c'est vraiment classe. Je vérifie juste si ça fonctionne. Coucou, ça va? Viens et toi? Je veux bien, merci. On va aller regarder un petit coup ici. Lire, madame, je suis sincèrement désolé pour ce que j'ai fait. Je voulais pas vous faire de mal, je voulais rien d'autre que les médicaments. Votre mari m'a attaqué, j'avais pas le choix. Ma petite soeur semble. J'ai besoin d'insuline. Personne veut m'en donner, j'avais pas le choix, j'espère qu'il survivra, je vous demande pardon. Ok. Alors, ah, tout à l'heure il y avait marqué. J'ai trouvé quelques trucs. Il y avait pas marqué rendre, cool. Enfin ranger, il y avait marqué autre chose, et là maintenant il y avait marqué ranger. Ah oui, tout à l'heure c'était marqué laisser. Ok. Ok, ok. Du coup. Ah oui, on devait aller au-dessus. Je pense pas que par là ça va le faire. Je pense que ce sera à l'avant du véhicule. Du surmark. Ah, qu'est-ce qu'il me fait ? Par là. J'y suis. Tranquille, je viens de finir The Last of Us. Je l'ai eu hier matin. J'ai joué 24 heures dessus. J'ai pas dormi. Merci à toi, du coup. T'as déjà fait les 25 à 30 heures? Ou t'as fait moins? Parce qu'ils annonçaient entre 25 et 30 heures. Mais après, je pense que si tu vas en ligne droite, tu peux faire bien moins, quoi. Et moi, du tissu. Tiens. Arrange-toi un peu. Ouais bon, au niveau de la confection, enfin du craft pardon, c'est vraiment identique au premier quoi. Bon après on va pas s'en plaindre hein, très honnêtement, je pense que c'est déjà suffisant comme type de gameplay. Il y a des sports. Il n'y a pas besoin de pousser beaucoup plus loin quoi. Il faut les masques.
Alors par contre, je sais pas si ça intéresse des gens, mais apparemment Cyberpunk a été de nouveau repoussé au mois de novembre, donc je préférais vous donner l'information. Si jamais ça intéresse des gens, il vient d'être annoncé au 14 novembre, je crois. Je peux regarder Il ça. veut pas te tirer une balle dans la Au tête. 19 novembre, au lieu du mois de septembre. C'est mignon. Donc il a été repoussé de 2 mois. J'ai pas lu pour quelle raison. Mais voilà, je Tous voulais ces vous sports, en faire ça veut part dire si qu'ils jamais sont là depuis un moment. Ça vous intéresse. Fais gaffe, les infectés seront plus dangereux. Ouais. Vous trouvez parfois des morceaux de composants, rassemblez-les en entier pour confectionner un objet. Je crois qu'on est Ouais, au-dessus. Bah c'est le craft comme dans le premier, quoi. Il y a, qu'on aille au rez-de-chaussée. Mais je croyais qu'elle était immunisée contre les spores. Bah, j'ai juste fait l'histoire en 14 heures, mais je vais le refaire pour tout faire à 100%. Ok, ça marche. Ouais, donc ouais, c'est bien ce qui me semblait en une quinzaine d'heures. Si tu pars tout droit sans trop fouiller par-ci par-là, ouais, tu peux le boucler en 15 heures. Mais après, si tu pousses dans la fouille et compagnie, je pense que ouais, tu peux atteindre des 30 heures comme ils les ont annoncé la première fois, quoi. Après, je verrai comment c'est au niveau de l'histoire. Très honnêtement, si l'histoire elle est vraiment prenante et compagnie. Et ça se trouve, ouais, je ferai peut-être la même chose, je le finirai une deuxième fois. Peut-être pas pour le faire à 100%, mais vu qu'apparemment on a plusieurs types d'abordage, on peut aborder le gameplay différemment. Je verrai comment qu'il se termine la première fois et ensuite voir si on peut le terminer autrement. Employé du moins, Queen Place Market. Par contre, je sais pas du tout s'il y a plusieurs fins dans le jeu. Je pense pas qu'il y aurait plusieurs fins. Mais qui disait comme quoi le gameplay réagissait en fonction de nos conséquences, enfin de comment qu'on jouait, quoi. Alors il y a un code lire un employé, c'est pourtant ok. Donc là-dessus il n'y a pas de code orangé, les balles de fusil. Ouais. Donc à mon avis il y aura un papier. Oh, par ici. Je voulais voir ce que ça donnait par rapport au premier. D'accord. Ah, le premier, je l'ai reterminé là pour la troisième fois avant de refaire celui-ci. Il y a moins de 2 semaines maintenant, 2-3 semaines. Et je t'avoue que bon, tu sens une petite différence par rapport au premier. Mais très honnêtement, elle est pas flagrante la différence pour le moment. Après, j'attends de voir un peu plus loin dans l'histoire. Hein. Ça fait que 1h12 que je suis en train de jouer là. Donc c'est encore un peu délicat pour juger. Mais pour le début, on sent pas de grosses différences. Hormis le fait que le gameplay est un peu plus assoupli, déjà au niveau du personnage, le personnage paraît moins lourd, et le fait de pouvoir ramper, le mode infiltration et compagnie, a l'air bien plus présent, donc là-dessus c'est déjà pas mal, quoi. C'est pour ça que j'attends de voir un peu ce que ça va donner plus tard. Eh merde! Blacker. Merde. Alors par contre, j'espère que les claqueurs sont moins chiants que dans le premier. Élimine directement les claqueurs avec un... Ok, ouais, la vidéo là, je l'avais vue, c'était du gameplay qu'ils avaient montré. Vous pouvez légèrement vous déplacer discrètement. Ouais, ça j'avais vu. Ah, je te dis rien, mais tu verras, tu vas de plus en plus kiffer. Là, au début, c'est assez calme. Ouais, j'avoue qu'au début, c'est assez calme, mais c'est assez plaisant. Je suis pas là pour critiquer, hein. Bien sûr, le jeu, je m'en doute qu'il va être bon ou quoi. Après, ça dépend, ça se trouve, je vais peut-être pas l'aimer. Mais au début, on ressent un peu le script. On sent que le jeu t'amène tout doucement dans l'histoire. Et c'est ça qui est cool, quoi. Je me rappelle pas si dans le premier on pouvait buter les claqueurs dans le dos. Je crois pas qu'on pouvait buter les claqueurs comme ça. Par contre, ils ont l'air beaucoup plus coriaces. Enfin, quand je dis coriace, c'est un peu plus balèze, quoi. Par contre, ils se laissent moins voir.
Je disais, ils se laissent moins avoir par les bruits. Elle est passée où? Ouais, c'était peut-être pas la meilleure des idées. Oh, j'aurais essayé. J'aurais essayé. Je voulais voir si ça fonctionnait. Mais ça n'a pas été la meilleure des idées. Lancer une brique ou une bouteille à un claqueur pour l'étourdir. Ben, c'est ce que je viens de faire, mais ça n'a pas marché. En fait, je crois que tu peux le mettre un coup de couteau et après, il faut lui tirer dessus, je pense. Bon, j'aurais... Dans le premier, ouais, tu les voyais tu les voyais courir vers la bouteille, mais là, c'est limite s'ils s'en battent les couilles de la bouteille. Ces saloperies aveugles me donnent la chair de poule. Viens, on va voir si le reste du bâtiment est dégagé. Ensuite, on se casse de cet endroit. Ça, je suis d'accord. Dina. Mais après, sans trop me spoiler, Monsieur Fox, t'en as pensé quoi de l'histoire? Elle était vraiment bonne ou sans plus? Je te rappelle dans le premier, les gros cadeau. Trucs qui crachaient les J'aime spores les toxiques, bah tu vas les détester encore plus. XZ, ils m'ont fait péter un câble en difficulté survivante dans le 2. Là je suis en difficulté normale. Et ouais, je me rappelle très bien des... Merde, des gros là que tu me parles. Tiens, merci. Je sais plus comment ils les appelaient d'ailleurs dans le premier. Comment qu'il les appelait dans le premier? Mais ouais, je vois lesquels que tu parles. Il les avait déjà présentés et il parlait comme quoi il y avait des nouvelles créatures aussi. C'est pas fini. Que lors de la présentation, tu entendais simplement le cri. Ah, je sais plus comment qu'il les appelait dans le premier. Putain, pourtant je l'ai fait il y a pas longtemps. Ils avaient un nom bien spécial, c'est gros là que tu me décris. Un boomer, je crois qu'ils appelaient ça. Il me semble qu'ils appelaient ça un boomer. Il y en a un paquet ici. T'en penses quoi? On commence par les coureurs. D'accord, ça marche. Ouais, ça c'est ce que j'avais lu sur... J'ai lu quelques tests vite fait, sans trop me spoiler. Comme quoi, ouais, il disait qu'il y avait beaucoup de violence et compagnie. Mais après, je t'avoue que... Tu sais les histoires qu'il y a eu, je pense, dessus, sur le jeu, qu'il y a eu des gros spoils qui ont fuité à cause d'un développeur et tout ça. Et honnêtement, je me suis jamais fait spoiler par les... Par ces leaks. J'en ai entendu parler vaguement, hein, je sais quelques trucs par rapport à Joël et compagnie. Je vais pas trop détailler pour éviter de spoiler. Mais je les ai pas vus de moi-même, j'en ai entendu parler vaguement, mais voilà, quoi. Après moi, tout ce genre de conneries là, franchement, ça rentre d'un côté, ça ressort de l'autre, tu vois. Bon, déjà, je trouve qu'ils réagissent un peu mieux au niveau des bouteilles. Ils se jettent pas directement dessus. Ouais, je crois que j'ai parlé trop vite. C'est ma gauche. Ah non, oui, c'est ma droite. J'ai fait n'importe quoi, je suis désolé. Bah c'est cool alors si on a des choix et que ça peut impacter sur l'histoire.
Donc ouais, c'est vraiment cool. Alors je pense que ouais, je me le referai sûrement une deuxième fois. Si ça peut vraiment impacter quoi. Mais ouais, là j'ai fait nimp. Merde! Oh, j'ai pété la jambe. À droite! Hé, hey, machin! Ouais. Là par contre, malgré que tu sois en mode normal, tu sens bien la difficulté des trucs quoi. Il en reste. Ah ouais. Oh putain, non. Et ça fait plaisir. Tu sais quoi? On est impressionnante. Ah, je kiffe. Les infectés, je trouve qu'ils réagissent super bien aux balles et compagnie. Allez. Oh, putain, non, franchement, c'est classe. Les combats sont beaucoup plus intenses. Et on fait une pause. On l'a bien mérité. Ah ouais, ça va. Bon, je suis un peu bourre, hein, je vous avoue. Tu vois une sortie? Mais non, putain, je suis bien content là. Ils ont bien réagi et tout. Par contre, celui-ci, je lui ai bien éclaté la jambe. Je pensais qu'il fallait lui mettre instantanément une tête. Mais finalement, non. Moi, je pouvais pas foncer dans le tas en survivant. Lol. Ouais, là, c'est juste moi qui ai testé, hein. Très honnêtement. Après, je vais essayer de la jouer un maximum en furtif. Mais je voulais voir un peu ce que ça donnait en mode un peu action. Mais franchement, je suis pas déçu. Ils réagissent super bien, les IA. Donc tu dois vraiment faire gaffe au bruit que tu effectues, quoi. Il suffit que tu me lances à travers ce trou dans le toit. Mais sérieuse, elle? Non, sérieux? Putain. Il y a un câble. Voilà, c'est bon. Ça devrait tenir. Attends, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Allez, vas-y! Mais grave. Ok, c'est bon. J'y vais. Je dois la suivre. Fais gaffe en arrivant en haut! Par ici. Allez. La tempête approche là. On est loin du poste de guet. C'est non. Juste après la prochaine ville. Je te suis. Bien fait, je trouve, la tempête. Oh, j'ai ma connexion qui fait chier pour le live. Là. Pire en pire. On fait demi-tour. C'est trop tard maintenant. On y est prêt. Je sais, ma belle. Merci à toi et à une prochaine. Allez, bonne soirée. Continue. De toute façon, moi je vais pas tarder là. D'ici 5 minutes, Dina, je vais couper. T'es encore loin. Je l'ai perdu. Je pense que je vais aller à la prochaine cinématique et après la cinématique j'arrête.
je tourne en rond. Je tourne en rond. Tina ! T'es où ? Je sais pas ! Non ! Continue, Tina ! Oh, super ! Allez ! C'est par là ! Où est-ce qu'on va ? Fais-moi confiance ! Passer devant. Sans entrer. Bon, on va s'assurer qu'il y a personne. Donc je sécurise les lieux et après je pense que vraiment je vais m'arrêter là pour ce premier live. Alors par contre je sais pas si je serai de retour en live ce soir. Parce que si je suis de retour ce sera juste pour une petite heure. Donc sûrement de 20h à 21h. Mais si jamais je suis pas là ce soir en live, on se retrouve demain après-midi, en début d'après-midi. Et je pense jouer ensuite de tout début d'après-midi jusqu'au soir. Et après peut-être demain soir je ferai de nouveau un live, cette fois-ci. Un peu plus long. Faut que j'aille voir ce qu'il y a derrière. Mais là ouais, je vais sécuriser un peu ces lieux. Et ensuite on va s'arrêter. Je vois qu'il y a une rampe ici. Donc c'est pas une rampe, c'est un lampadaire. Une fenêtre, ça se verrouille pas. Il y a des bouteilles ou des points, à coup de poing. Arrête. Oh, ça prend. Ok, ça marche. C'est assez flou. Ah ouais, d'accord, elle met comme ça sa main sur du verre et tout. C'est quoi tout ça? 19 pièces. Oh, truc électronique. C'est forcément à Eugène. T'es sûr? Ouais, personne d'autre s'amuserait à bidouiller tout ça. Est-ce que ce serait la première étape de craft? Il me l'a pas dit. Non, je pense pas. J'étais en train de me demander si c'était ici. Un pendentif. Eugène. Ouais, c'est bien la planque d'Eugène. La Luciole. Il faisait partie des Lucioles ? Ouais, avec Tommy. Ah, qu'est-ce que tu fais ? Non, rangé, ok. Je savais pas. Ouais. Ils ont fait des trucs assez moches. Du genre. Il a dit qu'il avait fait sauter un poste de contrôle dans une ZQ de Denver. 3 soldats sont morts. Et 2 civils. Bordel. Il ouais. M'a dit aussi que lui et Tommy avaient torturé un général de la Fedra. Je sais pas, j'ai du mal à imaginer Tommy faire tout ça. Il a fait pire. Comment ça? Lui et Joël ont fait pas mal de trucs pour survivre après l'épidémie. Bah c'est Tommy ça. C'est monsieur Tommy. Pour rejoindre les Lucioles. C'est triste. Eugène. Oh, sympa la photo. Ça se trouve, c'est peut-être un développeur. La lumière. Hé, j'ai trouvé un générateur. Un petit générateur. Wow. Voilà la table de craft. C'est pas mal nice. Ton établi, Eugène. Oui, un établi. Je parie que tu peux modifier ton arme avec ça. Alors, voyons voir un peu ce que ça donne au niveau des modifications de l'armement.
examiné. Oh nice. C'est plutôt bien, bien réussi. Alors retour, améliorer. Pistolet semi-automatique. Alors cadence de tir, remplace le ressort du chien pour augmenter la cadence de tir. Plus 45% de cadence de tir, ok. 35% de stabilité, recul. Équipez votre arme d'un compensateur pour réduire son recul. Ah bah je pense qu'on va... l'animation. C'est plutôt bien fait. Ouais, ça va le faire. C'est du beau boulot. Ok, fermé. Nice. Alors, est-ce qu'on peut sauvegarder? Yes, on peut sauvegarder. Je pense qu'on va s'arrêter là, les amis. Sauvegarde auto. On va faire une nouvelle sauvegarde manuelle. Voilà. Donc ouais, je pense qu'on va s'arrêter là, je sais pas du coup, alors comme je vous disais, si je serai de retour ce soir, pour un autre live d'une heure. En tout cas, n'hésitez pas à follow la chaîne si c'est pas encore fait pour être au courant des prochains lives. Moi je vous dis bonne soirée, peut-être à tout à l'heure ou à demain, et à plus, tchuss, merci d'avoir